ça m'intéresse, Capital, Cuisine Actuelle, Femme Actuelle, Femme Actuelle Senior, Flo, Gala, Géo. Pour que l'on comprenne de quoi on parle, je vais énumérer, ça peut être fastidieux, mais ça donne la dimension de pourquoi vous êtes là devant nous alors que nous parlons justement de la concentration dans les médias. Avec les groupes où vous avez 100%, il y a C8, CStar, CNews, Studio Canal, MyCanal, Canal VOD, Canal Plus Règle, la chaîne Canal. Et dans le monde des métiers du spectacle vivant, de la billetterie, des festivals et de la production, C-Tickets, Info Concerts, CEPAS, Copyright Group, U-Live, Théâtre de l'œuvre, Vivendi Sport, Canal Olympia, l'Olympia, Vivendi Brand Marketing. Dans le monde encore où vous êtes à 100% de la publicité, on va dire, Avas Creative, Arena Media, Arnold, l'Institut CSA, l'Institut de Sondage. BETC, BETC Fusilite, et je vais passer toutes les filiales d'Avas qui sont très importantes en France et partout dans le monde. Prima, Télé Loisirs, Télé Deux Semaines, TV Légende, Voici, France Catholique, dans le domaine de l'édition de la presse. Trois chaînes de télévision italiennes, Canal 5 Italia 1, Reta 4, etc. Donc, c'est de cela que l'on parle. Et j'ai envie de vous poser une question simple à la suite de cette énumération. Pourquoi constituer cet empire? Quel est votre intérêt, votre passion pour construire un tel empire médiatique dans notre pays?